Salut à tous, c'est NifX8, on se retrouve sur Poly Bright, je continue notre aventure de construction de pont toujours aussi excitant les amis, si on part sur Triple Split. On va voir ce que ça donne. Ok, ah oui quand même, là ça commence à devenir chaud. Ça commence à se complexifier, donc une voiture de course, une voiture de police et une sorte de camion, ouais, une sorte de camion poubelle, je sais pas ce que c'est. Exactement, ils doivent arriver dans trois zones différentes, donc autant vous dire que ça va être sacrément chaud ça. Ça va être bien bien chaud. Bon écoutez, on va partir là-dessus. Déjà, donc réfléchis, à 1, à 2, à 3. Donc il faut que le premier à chaque fois il monte et il descende. Ouah, mais ça va être hyper chaud, comment je fais pour trois voitures? Ah mais je me dis, parce qu'effectivement c'est pas les mêmes véhicules, donc je me dis qu'effectivement c'est possible qu'il y ait en fait tout simplement des vitesses différentes. On va tester un truc. Je vais voir au niveau des vitesses déjà, juste voir si ça change quelque chose ou pas. Tiens mais moi sûrement n'importe quoi là, c'est juste vraiment pour voir, tester ça. Ah, donc lance-moi ça, ok super, légèrement tombé. Tu peux me le faire juste s'il te plaît, comme ça on sera bon, voilà. Juste pour voir. Ah donc la voiture de course va très vite. Ah voilà, d'accord, il y a trois différentes vitesses. Donc faut pas faire un pont-levis qui va, en fait, un truc qui va se lever en fonction des voitures, mais plutôt jouer avec la vitesse des voitures. Donc a priori, ça serait plutôt du genre faire un bon gros saut. Pas mal, sympa comme idée. Sympa comme tout. Bah écoutez, on va tenter ça. On va essayer de faire le mieux possible, du genre donc il faudrait qu'il puisse monter. Par contre, jusqu'à quelle hauteur, ça forcément faudra faire des tests petit à petit. L'idée sera vraiment qu'il monte. Tant quoi que met tout petit peu en arrière, on fait monter ça un peu plus rapidement, parce que là on a le soutien. Et genre jusqu'où? Le truc à l'arrache. Le truc totalement à l'arrache. Enfin, peut-être pas autant, enfin. Peut-être pas autant. Vas-y, tu me refais ça. Du genre comme ça, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Vas-y, tu continues. Et là, la grande question, en fait, ça va être ça. C'est savoir jusqu'où il doit aller. Donc, genre, limite comme ça, on va tenter. On va R18. Remets-le-moi. On va tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, non, là, t'es un peu trop. T'es un petit peu trop. Genre, tac. Voilà, maintenant on n'a plus qu'à soutenir. Niveau fric, c'est quoi? On a pas mal de fric, on a le droit à ça, c'est en version limitée. Mais écoute, tu vas me soutenir ça bien comme il faut, quitte à faire. Autant faire les choses le mieux possible. D'ailleurs, limite comme ça. Ouais, tu peux limite me faire ça, comme ça coûte. C'est assez conséquent quand même, niveau prix. C'est assez conséquent, mais ça peut le faire, du genre comme ça. Et après, tu le soutiens ici. Niveau budget, déjà 10 000. Mais je pense que ça peut le faire, là. Après, tu me soutiens comme ça, tout ça, ici. Ouais, pas de joint, je sais. Je ne veux pas faire de joint ici. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, monsieur. Sois gentil. Par contre, là, comment on va faire? Genre, tu me fais un soutien là, ça passe. Ça passe parfaitement. Faut juste réussir à tout faire tenir. Il reste dans le budget, c'est ça le truc. Tant qu'on est dans le budget, il n'y a pas de souci. De ce côté, c'est pas mal. Je pense que ça tient là, il n'y a pas vraiment de souci. Bon, de ce côté, forcément, il faudra faire tenir tout. En même temps, tu me fais un simple truc. Il n'y a pas spécialement de poids. On n'a pas un 40 tonnes qui doit passer dessus. Donc, théoriquement, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, genre comme ça. Ok, non, pas de joint. Budget, on est juste. Donc, théoriquement, c'est censé fonctionner. On va voir ça. Genre là. Donc là, il trace. Il trace et ça passe, sauf que ça casse. Mais il y a de l'idée. Donc, la première voiture fonctionne. Ça passe au bon endroit. Qu'est-ce qui a cassé, zut? Je sais plus. Est-ce que c'est à cause de ça? Moins que ce soit peut-être ici. Du coup, tu vas renforcer tout ça. Il n'y a pas de souci. Renforçant, ça tiendra. Et voir, on a un petit peu d'argent encore. Vas-y, limite, tu me renforces de tout. On est hors budget. On est hors budget. Montre-moi juste, voir si ça tient ou pas. Ah, c'est là, d'accord. C'est là que c'est un peu de peine. Et de toute façon, ça manque un petit peu. Donc on va modifier ça, on va avancer. Petit à petit, on va y arriver, ne s'inquiétez pas. Limite, ce que je vais faire, du coup, je vais vraiment supprimer ça. Parce qu'à mon avis, ça peut poser des soucis. Comment je fais pour supprimer déjà? Ah, et voilà, sur D, c'est plus simple. Donc dans l'idée, peut-être c'est ça qui n'est pas nécessaire. C'est vrai que pour le coup, peut-être qu'on peut continuer. Genre, on va essayer. On va essayer, il faudrait aller un peu plus loin, on a vu que ça allait pas assez loin. Du genre, si on y allait comme ça, jusqu'ici carrément, parce qu'on est un fou, on est un grand malade. Du genre ça, ah il peut juste pas le tenir. Il peut juste pas le tenir, au pire on pourrait mettre ça pour le soutenir quand même. Du genre si on pose ça par là, c'est risqué mais ça peut le faire, on va tenter. On va tenter, est-ce qu'il peut s'accrocher à tout? Non, enfin, il ne peut pas, c'est pas très grave, tu me diras, t'as juste à te concentrer comme ça, enfin. Bah là non plus, donc tu me fais un petit truc comme ça, un peu à l'arrache, mais qui est censé tenir. Bon là en même temps le poteau ici il est pas très très utile comme il a mis, je suis pas totalement fan, on verra ça, tu me soutiens le tout s'il te plaît. Et là dans le meilleur des mondes c'est censé fonctionner, faut le dire vite, vous aurez compris. Est-ce que ça tient? Ouais non, il y a trop de pression là, trop de pression. Ouh effectivement, le pauvre, effectivement il y a beaucoup trop de pression. Dans l'idée, ce qu'il faudrait, c'est limite ça, comme ça, je suis en budget avec ça. Je suis en budget, donc il n'y a pas trop le choix, il va falloir mettre du bois à la place.
Ici, tu me rallies le tout. Et du coup, là, on est censé tenir. On est juste en budget de limite. De pas grand chose. De pas grand chose. Au pire, tu peux m'en enlever. Qu'est-ce que tu pourrais enlever? Genre celle-ci. Si tu m'enlèves, parce que ça peut le faire. C'est un peu chaud quand même. Ça tient. Le premier passe. Le deuxième passe pratiquement et le troisième casse. Ah, c'est chaud. Du coup, on va supprimer ça. Là, on n'est pas loin, quoi. On n'est pas loin. On s'en approche. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Et si on utilisait plutôt ce côté-là, enfin, je me dis comme ça, là, on pourrait renforcer en mettant des bons gros morceaux. Et après, on a juste à renforcer le minimum. Voir ça, à la limite, on le supprime. On va le mettre différemment, enfin. On va le mettre différemment, les amis, mais j'ai confiance, ça fonctionne. Niveau budget, on est où? 11 000. Ça, il y a moyen de le tenir directement, enfin. Donc si ça le tient, comme ça, ça le renforce. Après, on va soutenir tout le reste tranquillement à l'ancienne. Et peut-être que ça peut fonctionner. Là, je suis juste... Non, ça passe. Ça passe, par contre, le problème, c'est que je suis décalé, du coup, sur tout le reste. Ouais, là, je suis tout décalé. Comment je peux faire? Faut que j'avance. Ah, voilà, c'est quand ça ressemble à quelque chose, ça. Donc, dans l'idée, ce serait que la voiture rouge fasse un magnifique saut, passe au-dessus. La voiture de police, vu qu'elle a moins de vitesse, elle va rester là-dessus, elle devrait tomber là. Et enfin, le petit camion, il devrait s'effondrer directement après, vu qu'il a vraiment très peu de vitesse. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on verra. Ah, d'accord. On y était presque. On y était presque. C'est là que ça casse. C'est là que ça pose problème. Ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment essayer de renforcer. Là, je peux. Est-ce que j'arrive à aller jusque là? Oh, je peux aller jusque là, je suis dans le budget en plus de ça. Là, je suis pas mal. La première passe, oh magnifique, magnifique. La deuxième passe, allez, vas-y. Vas-y, on compte sur ta petite voiture. On compte sur ta petite voiture toute pourrie. Est-ce que tu nous le fais? Est-ce que tu tombes? Tombe, 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 je sais que tu peux le faire. Yes, victoire les amis, c'était chaud patate, mais c'est passé. On est dans le budget, on a réussi, mais c'est parfait, j'aime ça quand ça se passe bien comme ça, magnifique. Allez, on passe au niveau suivant, enfin. Hydraulic jump. Oula, un saut hydraulique, t'es sérieux, enfin. Comment c'est un saut hydraulique? Oh, t'es sérieux, faut aller jusqu'à là-haut, enfin. Waouh, le truc, en plus on a le gros machin, oh, ça va être hardcore ça. Donc lui doit se rendre là, et ensuite lui doit se rendre tout là-haut, enfin. Bon, bah écoutez, on va réfléchir un petit peu, enfin. Donc, en réfléchissant bien... Donc il faut qu'en fait lui passe, donc là ça va faire un... Ouais je pense que c'est ça. À mon avis il faut mettre un pont de base et après avec l'hydraulique il va falloir pousser le pont vers le haut pour que ça il puisse faire un saut. C'est la seule solution. Mais ça va être chaud, ça va être sacrément chaud. Écoute on va réfléchir, on va voir ce qu'on peut faire. Déjà tu me fais la route de base. Donc lui forcément il faut qu'il puisse traverser tranquillement son taf. Comme ça il arrive jusqu'ici. Ça y a pas de souci. C'est plutôt logique jusque là. Donc là ça sera le point d'appui pour pouvoir réussir à mettre notre hydraulique. La grande question, ça va être comment on va s'amuser. Donc lui, il peut aller jusqu'où? Genre, il pourrait aller jusque là. Comme ça, après, il va partir en l'air et il va monter le tout. Ça me paraît chaud, mais c'est faisable. Donc il faut qu'il s'étende. Là, il faut qu'il parte vers là-bas, le plus loin possible. Donc jusque là, c'est bon. Niveau budget, on a déjà un quart du budget qui est utilisé. Donc il faudrait quand même du bois pour renforcer tout ça. Le mieux possible. En faisant ça à l'ancienne, tout simplement. Enfin, ça n'est pas de souci. On relie le tout. J'adore, c'est absolument... Allez, il est un peu plus haut. Il est un peu plus haut. Est-ce que je lève plus haut? Ouais, vas-y. On va le mettre un poil plus haut s'il y a moyen. Fin. Est-ce que ça passe? Ah non, je ne peux pas aller aussi haut. Donc ça, non. Il faut que je le mette un tout peu plus bas. On le mettra après. Fin. On mettra après. D'abord, nous, on renforce ça. Fin. Première chose à faire. Attends, qu'est-ce que tu me fais? Pose-moi du bois, s'il te plaît. Fin. Donc, on va le plus haut possible, c'est jusque-là. Fin. Exactement. Bon, jusque-là, pas de souci. Je pense que là, par contre, où ça va, il faudra que je mette du métal pour pouvoir renforcer là où il y aura le truc hydraulique. Là, je fais ça pour le relier. Et c'est évident que là, il va falloir renforcer. Donc, notre hydraulique va être ici. Donc, théoriquement, j'ai envie de dire que ça et ça, en tout cas, il faudra mettre du métal. Ça, c'est évident. Il faut renforcer au maximum pour que ça tienne. Ensuite, là-dessus, donc c'est notre point pour l'hydraulique. Donc, tu vas me mettre mon petit hydraulique, s'il te plaît, juste là. Tu le relies à ça. Tu le tires le plus possible. Et qu'est-ce que ça donne? On va déjà voir ça. Donc lui, il passe sans problème. Ça tient, il pèse pas lourd, tout le monde est content. Enfin, waouh. Alors, zut. Oui, j'ai pas mis le point de friction, c'est juste le point où il doit se casser. Du coup, comment il doit s'ouvrir? C'est la bonne question, en fait. C'est juste. Comment est-ce qu'il doit s'ouvrir? Ah non, ça manque. Il manque des trucs. Il manque des trucs, c'est juste. Donc dans l'idée, il faut que tout s'ouvre. Donc le point d'ouverture, il faut qu'il soit là. Donc comment je fais déjà? Double clic, là, voilà. Je spin joint. Donc ça, il va se lever. Il va se couper du pont, comme ça, ça va se lever. Il faut que le pont, il se replie sur lui-même. Pour ça, il faudrait genre tac, tac. Et là, tu mets de l'hydraulique. On va mettre de l'hydraulique ici et ici également. Comme ça, la route va se plier entre elles. Niveau 100, je sais pas vraiment, on verra. Enfin, mais dans l'idée, il y a ça. Là, du coup, on va renforcer un petit peu. Enfin, parce que ça me paraît un petit peu chaud tout ça. Enfin, quand même, c'est un petit peu bien soutenu. Niveau budget, on en est ouf. 14 240, on est juste, mais ça passe.
Bon, déjà, est-ce que ça tient? Ça tient mieux que tout à l'heure. Et donc là, il se lève bien, pas mal. Oh, pas mal du tout même. Est-ce que ça passerait? Ah non, il est un peu trop violent là. Il est un petit peu trop violent, il va partir tout droit. Il va pas arriver là-bas. Wow, ouais, trop violent. Ce qu'il faut, qu'il doit moins se tirer. Contracte, donc moins le tirer. 30, 20, je sais pas, genre mets-le à 20%. Juste pour que vraiment il se contracte un tout petit peu. On tente à 20%, on verra ce que ça donne. Est-ce que ça peut passer? T'accélères un petit peu. Voilà, tu remets en vitesse normale. Et se contracte. Ah, pas mal, il... bien contracté. Par contre, le problème, c'est ouais, il faut du soutien. Je pense qu'on va mettre du métal ici. Mais le problème, c'est que le budget ne le permet pas. Est-ce que ça tiendrait? Oh, 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 vas-y! Yes! Level complète! Yes, c'est bon ça! Je pensais pas que ce serait aussi facile. Donc, je vous le remonte vite fait. Donc là, on a mis ça pour contracter, là pour renforcer. Et en fait, ceci pour vraiment qu'il se replie sur lui-même. Et comme ça, on réussit à faire un magnifique petit pont. Tac, tu te replies, tu fais une piste d'envol. Qui marche super bien, c'est cool ça, yes. Allez, niveau suivant, je suis chaud là. Dumpslop, what? D'accord, Dumpslot. C'est un méga gros camion qui doit peser super lourd. On a accès à quoi? On a accès à tout. On doit réussir à faire monter là-haut. Bon, mais écoutez, on va s'amuser. Bah écoutez, on va partir directement. Donc a priori, c'est une simple route. Enfin, une simple. Dans le sens où il faut juste monter tout droit, ce qui paraît plutôt simple. Sauf que dans la pratique, c'est un très très gros camion. Donc à mon avis, on va avoir des problèmes de pression de fou furieux. Enfin, avantage, est-ce que... Oh, je suis bien parti. Tac, parfait, j'ai fait une route parfaitement droite. Donc ça, c'est déjà un point positif. Est-ce qu'on a accès... On a accès aux suspensions, enfin, aux câbles. À mon avis, il faudra tirer des câbles. Il va falloir renforcer ça, parce qu'on a aussi le problème du budget. On a beaucoup de budget, ça va. Et je pense qu'il va falloir renforcer ça avec des câbles. Parce que c'est vrai que là, toute cette zone-là, en fait, il n'y a rien pour te soutenir ça. C'est juste catastrophique, il faudra genre tirer des câbles, essayer de soutenir le tout. Par contre, niveau support, on va partir déjà sur du bois. Donc là, j'ai la première ligne de fête. Ce que j'hésite, c'est est-ce qu'on va renforcer... Parce que ça va être super lourd, ça pesait des tonnes. Est-ce que genre, si je renforçais ça avec du métal, ça pourrait mieux tenir? C'est une possibilité, ça me fait moins de métal, tout étant bien solide. Parce que c'est vrai que là, du coup, il faut vraiment qu'on ait un truc en métal quelque part. Il faut bien qu'il y ait une infrastructure qui tienne le pont, chose qui n'est pas le cas pour le moment. Donc fais-moi ça là, et limite ça, je le change parce que c'est du bois, ça me paraît un peu léger. On va remettre du bon gros métal de la mort. Tac, comme ça on a vraiment un truc en métal qui fait tout le long. Et d'ailleurs là aussi pareil, on le supprime, tu mets du bon métal, que ce soit vraiment une ligne de renfort principale. Donc c'est une première base, juste pour voir déjà. Ok, c'est vraiment au centre forcément que ça casse. Ça va rendre les choses assez complexes. Il va falloir utiliser vraiment les murs, comme on a pu apprendre. Oh, niveau budget, 30 000, j'ai la moitié du budget, c'est chaud. Ce qu'il va falloir faire, c'est que ça tienne comme ça. Il va falloir renforcer le tout, mais ça me paraît tellement chaud, ça me paraît tellement difficile. Mais on va y arriver, il n'y a pas de raison, écoutez. Donc là, j'ai renforcé le bas. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est renforcer le haut. Sans la grande question, ça va être comment on va faire. On va voir ça. Déjà, genre, je mettrai un truc comme ça. Et ça va être de partir là-bas, en fait. De partir vraiment contre le mur, le plus possible. Pour essayer d'avoir un renfort. Tac, si je partais comme ça, et genre faire la même chose par là, je repartirais là. Et puis après, bah tu pars. Donc là, dans l'idée, on aurait ça. Ensuite, il faudrait pouvoir tirer nos câbles. Et donc là, en fait, il va falloir réussir à faire tenir ça. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un truc qui renforce le tout. Est-ce que dans la pratique, ça va le faire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la seule solution que j'ai pour le moment. Enfin, pour réussir à descendre ça. Donc là, déjà, est-ce qu'il y a une base? D'accord, bon, il y a des soucis, je crois. On va avoir quelques petits problèmes, les amis. Sauf que niveau budget, on est au max. On a déjà atteint le budget max, t'es pas sérieux, mais c'est chaud. C'est super chaud, enfin. Ce qu'il faudrait faire, ah oui, c'est relier ces zones. D'accord, ouais, je pense qu'il faut relier ces zones avec du métal. Parce que forcément, il faut que tout métal communique entre lui. Autrement, ça va pas le faire. Est-ce que du coup, ici, pareil, genre avec du métal, ça pourrait le faire? Là, avec un petit métal, que ça relie le tout. Bon, on va y arriver, j'ai confiance, écoutez, petit à petit on va faire ce qu'il faut. Donc c'est là forcément ça peine. Là je vais être hors budget, mais bon tant pis, on va tenter. Le but c'est déjà de voir si c'est faisable. C'est un moyen de tenir un truc comme ça. Ce qui est taré, c'est que même étant hors budget, un truc de fou furieux, ça tient pas. Ça ne tient absolument pas. Ah peut-être c'est... Mais oui, c'est les suspensions, pas les câbles, je me suis planté je pense. On dit c'était pas des câbles, c'est des suspensions qu'il fallait utiliser. Ça pourrait expliquer le pourquoi. Enfin, le pourquoi du comment. Enfin, tu me supprimes ça. Parce que forcément, c'est des suspensions qui ont plus de résistance. Donc, tac, tu me le mets là. Est-ce que du coup, ça peut tenir?
Ah, quoique non. J'ai quand même. Non, en fait, non, je crois que je fais de la merde. Je crois que je fais de la merde. Du coup, faudrait pouvoir plutôt ça différemment. Au-dessus, en fait, mettre les suspensions, fond. Donc, dans mon idée, ça aurait été d'utiliser les suspensions en haut, fond. Parce que forcément, en bas, ça sert à rien. Donc, genre, partir comme ça. Je sais pas s'il y a moyen. On tente vraiment un peu en mode à l'arrache. Et là, l'idée, c'est de tirer notre suspension justement de là jusqu'à là. Bon, déjà, il est beaucoup trop bas. On peut le monter. Ça, c'est plutôt positif pour nous. Donc là, il y a l'idée. Il y a l'idée. Ensuite, on utilise les câbles. Là, le but, c'est de relier le tout. Est-ce qu'il y a un moyen? Franchement, s'il y a moyen, ça passerait bien. Attends, comment je les relie? Genre comme ça? Ouais, je pense que ça pourrait le faire. À moins qu'il y ait trop. Il y aura trop de poids. Il y aura trop de poids, je pense. On va quand même tester. On verra bien si ça passe ou pas. En tout cas, niveau budget, ça a l'air d'aller. Ça coûte cher, mais on est dans le budget. Bon, déjà une bonne base. Qui s'effondre sur lui-même. Ouais. Parce que le problème, c'est que ça tient pas, là. Il n'y a rien pour soutenir, en fait. Et genre, si... Attends, enlève-moi ça. Mets-moi un gros morceau de métal. Genre, je sais pas, est-ce que je pourrais soutenir ça d'une façon ou d'une autre. Ah, c'est que j'ai aucun point de soutien derrière. Ah là là, fin... Là, je suis en budget. Ouais, non, c'est que ça tient trop, c'est beaucoup trop lourd. Il nous faut un point de soutien au centre. Chose juste impossible avec le budget qu'on a. Fin. Ouais, j'essaie de faire le gros bois en mettant des méga renforts, mais même comme ça, ça passe pas. Donc, non, a priori, ce serait pas une solution. Le câble est beaucoup trop lourd, il manque de renforts. Faudrait un soutien au centre, chose qui n'est pas possible pour le moment. Fin. Du coup, je partirai sur une nouvelle base, on va faire ça différemment. Je me dis qu'on pourrait tenter de faire un truc un peu assez violent. Fin. Genre faire vraiment monter le truc. Parce qu'à la base, on a plus de résistance. C'est après que ça se complexifie. Genre, partirais comme ça. Voilà. Et puis après, tu partirais. Ah, peut-être un peu haut là. Peut-être un petit peu haut quand même. Peut-être pas déconner non plus. Et genre comme ça. Attends, enlève-moi le truc. Et puis après, on repartirait comme ça. Là, tu te calmes. Et puis tu redescends. Fin. Et tu redescends jusque là. Et du coup, là, niveau résistance, on n'est pas trop mal. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, il faudra renforcer ça, un truc de fou furieux quoi. Donc, ça, c'est vraiment une autre solution différente. Donc, ça, tu descends. Fin. On va tenter, on va voir si ça passe. Donc ça, notre premier point de renfort. Notre premier point de renfort. Après, il va falloir construire tout ce qui est soutien au-dessus. Donc dans l'idée, on va déjà mettre du bois un peu partout. Donc là, j'ai la première base à ce niveau-là. Maintenant, la grande question, ça va être de réussir à savoir ce qu'on va mettre d'autre. Du genre, déjà, on pourrait placer un truc de renfort bien renforcé justement ici. Après, avec un truc au centre. Et là, le but, c'est de renforcer tout ça. Fin. De renforcer tout ça. Fin. Du genre là. Fin. Il n'arrive pas. Il n'y arrive pas. Attends, vas-y, supprime-moi un tout petit peu plus loin, si possible, histoire qu'il puisse y accéder. Vas-y, pète-moi ça. Non, j'ai dit de me casser, s'il te plaît. Tu veux pas? Il n'y a pas envie. Voilà, c'est bon, c'est cassé. Un tout petit peu plus loin pour que je puisse y accéder. Genre comme ça. Là, j'ai accès. Tu ne mets pas de double split, s'il te plaît, merci. Et donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est renforcer cette zone. La zone ultime. La zone du plaisir, voilà. Là, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous manque? D'accord. Donc là, il y a un peu beaucoup de pression. Forcément, j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. Du reste, là, limite, on va construire plutôt en métal pour vraiment que tout soit relié. Faut vraiment que tout soit relié le mieux possible. Du genre comme ça. Parce que c'est là-bas, c'est là que ça va bien taper. Et hop, mais pas de chance quand tu mets des joints. D'accord, ça pète. Parce que forcément, il faudra un renfort en métal, en fait, au-dessus, je pense. Du genre, quand on pourra faire ça, il faudra partir là. Et limite, il va falloir renforcer tout ça le mieux possible. Là au moins ça tient déjà. Donc, je vous montre juste que j'ai... Oh non, dis-moi pas qu'il n'arrive pas à passer. Non, 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 s'il te plaît. Non. Le fail, je suis parti trop vite. Je suis parti trop en montée. Oh, ça c'est la merde. Ça c'est la merde. En plus, fais chier ce que ça tenait. Bon, je suis en budget, mais bon, c'est pas trop grave ça. Oh, je dois tout refaire le début. Zut. Dégoûté. J'ai fait une autre version. Je suis un tout petit peu en budget. Voilà, ça casse déjà tout seul. C'est pas bon signe ça. Oh, c'est pas mal. Bon, ça va casser, mais c'est pas mal. Franchement, il y a de l'idée. Il y a carrément de l'idée. Bon, après, niveau budget, ça va être sacrément chaud, parce qu'on est déjà hors budget. Mais il y a de l'idée, on va pouvoir le faire, à mon avis, on va pouvoir faire un truc assez intéressant. Ce qui manque, le problème, c'est que là, je pourrais, avec le niveau du bois, je pourrais pas. Ah, je peux pas le relier. Enfin, que je fasse ça différemment, le truc du haut. Dans l'idée, ça aurait été ça que j'aurais voulu faire. Par contre, maintenant, c'est que je vais être hors budget, je pense, si je mets du métal comme ça. Parce que là, du coup, on aurait un truc vraiment solide. On aurait un truc hyper solide. Mais certainement hors budget, 58 000. Au moins, on n'est pas loin. Au moins, on n'est pas loin. Oh, quoi qu'il y ait, on est juste hors budget. Mais bon, pas de grand chose, donc ça va. Fin. On pourra toujours essayer d'optimiser après par la suite. Ah, c'est beaucoup rouge là, c'est vachement rouge. Ah là là, ouais, c'est devenu trop rouge. C'est devenu trop rouge. Maintenant, pour renforcer ça, c'est la merde. Genre comme ça, peut-être. On accélère un petit peu. Oh,
Oh, ça va être chaud, ça va être chaud. Là, j'ai réussi à le faire tenir. Le problème, c'est que j'ai fait monter en budget. Oh, ça passe. Presque. C'est juste là, forcément, parce que c'est vrai qu'on a rien mis au niveau soutien, enfin, de plus. Et le nouveau problème, c'est que ça va être le budget. Parce que là, ça sait tenir, je pense. D'accord, il coince alors que... T'es sérieux? Tu passais de telle heure, enfoiré. J'ai juste rajouté ça et tu passes plus. Oh non. Vas-y, refais. D'accord, là, ah oui, ce qui passe de justesse. Parce que le pont se plie et après il se plie plus. Ce que je peux faire, on a dit que c'était là le soutien, enfin. Le petit problème. Genre, non, mais moi pas de split, s'il te plaît. Genre, comme ça, tu me relis le tout. Et là, peut-être qu'on peut réussir à tenir. On est en budget. Oh non, du coup, il tient, il passe plus, l'enfoiré. Il y a une grosse pression. J'ai modifié un tout petit peu, en fait, j'avais mis ça. Mais le problème, c'est, ouais. Si je résous le problème ici, il n'arrive plus à passer là. Oh là là, on était tellement pas loin, enfin. Bon, dans l'idée, c'est intéressant ce que j'essaie de faire, mais il n'y arrive pas, c'est beaucoup trop, il y a trop de pente. Donc c'est toujours pas la bonne solution, mais on n'est pas loin. Je pense que si je faisais pas un truc aussi bourrin, parce qu'en fait, je voulais partir vraiment assez haut de ce côté pour vraiment soutenir là. Et je pense qu'on va faire un truc plus light. On va tenter. Bah, du genre un truc un peu plus light comme ça. Et là, à mon avis, on peut y arriver. On peut y arriver, du moins, j'espère. Donc, nouveau, on met notre soutien ici. Là, du coup, on est à 58 750. Niveau budget, on est bon. Par contre, je pense que ça va casser à ce niveau-là. C'est... Voilà, d'accord, ça ne passe même pas par le début. Il faudra essayer de le soutenir un peu plus. Et même, ça cassera toujours. Oh là, il faut forcément utiliser du bois. Fin. Donc, il faut que je modifie ça. Ça va pas le faire comme ça. Il faut le faire un peu différemment. Fin. Bon, là, je suis complètement hors budget. C'est plus pour voir si ça pouvait tenir. D'accord, ça ne tient pas du tout, en fait. Je me suis totalement fait avoir. Bon, j'ai beau faire plein d'essais dans tous les sens, j'ai renforcé comme un taré, j'ai explosé le budget, j'ai à peine lancé que ça s'explose en 1000 morceaux, donc mauvaise solution, on va chercher autre chose, écoutez. Dans les deux, on va repartir avec une route droite. Ce que je vais faire, c'est que j'en utiliser en fait les câbles. Je me dis qu'on peut utiliser les câbles pour avoir un renfort depuis le baf, ce qui pourrait être carrément intéressant, du genre, tac, on partirait là, et là, il faudrait vraiment partir en fait pour aller au fond et se mettre un bon gros renfort, bien comme il faut, genre un truc comme ça, et qui partirait jusque là. Donc ça, ça serait fait. Après, on pourrait les câbles pour les relier. Donc, c'est vraiment un truc au fond qui tient. Là, on a une première base plutôt pas mal, je pense. Ça pourrait le faire. On fait la même chose. On va faire un truc un peu du même style, du genre, on partirait là-dessus. Et après, on ferait la même chose ici. Il faut forcément, par contre, j'arrive jusque là-bas. Ce qui est un peu chaud, ce qui est un peu chaud. Du genre, on partirait comme ça. Du coup, là, on aura une base pour essayer de soutenir tout ça. Donc, on prend nos câbles, on les relie en haut. Alors s'il y a moyen, je me dis qu'il y a peut-être moyen de vraiment utiliser ça comme soutien, enfin, c'est une autre façon de faire, mais qui pourrait fonctionner, écoutez, on va voir ça. Sauf là, je suis pas convaincu, je sais pas s'il faut vraiment que je serre comme ça ou pas, enfin, on verra ça. Donc là maintenant, ici, ça sera relativement bien renforcé, parce qu'on a ça, où c'est plus fragile, c'est vraiment cette partie-là qui sera pas renforcée en dessous. Donc ici, il faudra forcément utiliser un bon gros câble, enfin du bon gros métal de la mort, pour soutenir ça. Donc là, vraiment, tout le centre, 100% métal. Et après, pour le reste, on peut utiliser du bois, parce qu'à mon avis, ça va être un peu mieux résistant. Du moins, c'est censé. Genre, on partirait sur un truc comme ça. Par contre, peut-être quand même mettre encore un petit peu de métal ici. Et après, le reste en bois. Et théoriquement, là, ça pourrait peut-être passer. Ça pourrait peut-être passer, on va voir ça. On va tester, c'est le but du jeu, justement. Ah, là, ça passe pas, par contre. Ça, il faut me le faire un peu plus par là, s'il te plaît. Genre, comme ça. Là, c'est censé être bon, ouais. Donc là, en haut, c'est fait, il manque le baf. Bah écoutez, le baf, c'est la même chose. Pas plus compliqué que ça. On verra si ça tient, et surtout si ça passe. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez hardcore, là. C'est un passage vraiment compliqué. Donc là, il se le relie. Non, pas de split. Pas de split, s'il te plaît. Du métal, on a dit, pour là. Et après, le reste en bois. Et normalement, ça devrait le faire. Donc là, on a vraiment le renfort ici. Le bois, parce qu'il y a besoin de plus de renfort. Bon. Je pensais que ça passerait. Je pensais que ça passerait quand même mieux que ça. Fin. Où est-ce que ça casse? Attends, mets-moi tout doucement. Fin. Qu'on puisse vraiment voir. Ah, c'est chaud. Mais là, encore plus doucement, quoi. Vraiment. Tout doucement. Ok. Là, on voit. Fin. On a vraiment une grosse tension ici. Et puis là, au fond. Fin. Comment on pourrait renforcer mieux ça? Fin. Genre, limite, si on est pu tirer. Parce qu'au niveau budget, on est juste. On est super juste. Ce qu'il a fallu faire, c'est vraiment juste ça, quoi. Genre rien que ça déjà, ça pourrait vachement aider. Vas-y, avance. Ça pourrait aider, mais non. Mais on n'est pas loin. Il y a de l'idée en tout cas. Peut-être renforcer ça un peu plus haut. Ouais, mais non, c'est pas censé... Et si on met des câbles là, c'est un terrain ou pas? Est-ce que ça peut... Je pense pas que ça va... Non, ça va pas le tenir.
ça va le pousser vers le bas au contraire. Et si à la place d'un câble ici, on mettait plutôt un bon gros truc à l'ancienne, ça pourrait le faire. Du coup là on va faire exploser le budget, mais genre si on mettait ça, vraiment essayer de tenir. Voilà, ça c'est bon. Fin. Tac, voilà, comme ça on a un bon renfort. On a un vrai renfort qui tient. Fin. Genre tac, ça ici, et là on est bien. Là on commence à être bien. Bah déjà ça tient, beaucoup mieux, on est complètement en budget. Mais déjà si je réussissais à le finir comme ça, je serais déjà super content, parce qu'il est hyper chaud ce niveau. Il est vraiment dur. Allez, tant que ça... Oh, ça a l'air d'aller pour le moment. Pour le moment ça a l'air de tenir, par contre là il commence à être très très rouge. Il commence à rougir méchamment. On vient sur un point sensible. Oh, oh, j'ai l'impression que ça passe. Allez vas-y. Yes, ça passe, bon, hors budget. On va essayer de l'optimiser. Pour réussir à passer dans le budget. Donc dans l'absolu ça serait faisable. Par contre, ouais, il manque, il y a 16 000 de trop dans le budget, ça va être chaud, ça. Ça va être sacrément chaud. Genre, j'ai déjà pu enlever une petite partie, et je me dis que ça, si je le remplaçais par du bois, peut-être ça peut passer. J'ai besoin de le renforcer ici, parce que ça a pas l'air de bien marcher autrement. Et peut-être qu'avec du bois, simplement, déjà, on pourrait réussir. Et c'est vrai que le prix du bois est quand même vachement moins cher. C'est déjà incomparable. Là, du coup, il serait relié. Parce que c'est vrai que c'est des zones, vraiment, où il y a des grosses pressions. D'accord. Bah bon. On a essayé, le bois ça casse effectivement. Enfin, on peut le renforcer un peu plus au pire. On peut essayer de l'aider un petit peu plus. Genre comme ça, ça passe. Oh c'est bon. Là il passe. Oh bah parfait, donc là c'est bon. On est déjà à 69 000, on a déjà bien baissé le coup. Enfin, il manque encore du taf, mais on avance. On avance bien. Enfin, genre là il y a un double renfort. Est-ce qu'on pourrait pas économiser sur un de ces renforts? Franchement ça serait faisable. Du genre celui-ci tu me le défonces. Parce que là ça tient tout seul. Ça tient pas tout seul. Parce que ça, ça casse. Pourquoi donc? Parce qu'il tape. Il est pas censé casser quoi. Je sais pas, mais un renfort en bois peut-être. Genre un mini renfort en bois qui coûterait moins cher. Du coup là il passe. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On n'a pas économisé grand chose par contre. Et du coup si ça je les faisais un peu moins grand, pour essayer d'économiser un petit peu, ça serait peut-être faisable. Ou si je mettais des câbles ici. Les câbles qui sont quand même vachement moins chers. Du coup on passera à 66 000. Ah mais du coup ça casse. C'est ça le problème. Bon du coup j'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé plein de solutions différentes. J'arrive pas à baisser plus le budget en fait. Parce que si j'enlève ces trucs ça casse. Et j'ai pas trouvé d'autres solutions. Donc on va rester comme ça. Tant pis on n'a pas pu finir dans le budget. Au moins on finit le pont. C'est le plus important. Écoutez des travaux avec un hors budget c'est pas bien grave. Ça arrive tout le temps dans la vraie vie. Donc c'est pas un souci. Du coup les amis on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à laisser un petit pouce bleu. Et on se retrouve tout bientôt pour une vidéo. Ciao ciao.